Pour l'instant, nous avons donc trois équipes en compétition. L'équipe du Pérou, l'équipe de France et l'équipe de Taïwan. Ces trois équipes commencent donc leur travail ce matin à 6h30 et jusqu'à 14h30, elles vont pouvoir œuvrer pour donner le meilleur d'elles-mêmes. We present our country. It's a really special experience, and we are very happy that Taiwanese baker can join the competition with other countries. Yeah, it's important to our country. In Taiwan, you can find many products with sugar, sweet dough, because we eat bread. We prefer soft and sweet. So Taiwanese see bread as a dessert, not really in a meal. Yeah. The next team will better see more competitions and other countries' products. That helps we a lot. Yeah, and find what ingredients will be okay for the competition. Yeah, because other bakers in the world, they said flavor is really important, but we Taiwanese didn't take care of flavors that much. Yeah, in competition, we just made bread look good, but not really taste good. Yeah, so that's an important thing for the next team. La pieza artística representa casi todo el Perú, nuestra cultura inca, y hay mucha historia dentro de ella, ¿no? Consiste en valorar el maíz, que es el ingrediente básico de los incas, rescatar las piedras, por eso son los colores tal cual son, y la historia de esa Estela Raimondi que representa el pensamiento de los incas, ¿no? Sí, este pan representa a todos los niños del Perú. Es una guagua. Guagua es una palabra en quechua, en Perú. El quechua es un lenguaje autóctono del Perú, de los incas. Yo con acá el profesor Abdón, es un gran amigo. Lo conozco ya un año que estamos trabajando. Bueno, yo estudié en la escuela donde él enseña, ¿no? En la escuela de panadería. Y esto hemos venido trabajando con mucho esfuerzo, día tras día, ¿no? A veces también trasnochando nosotros, pasando malas noches. 5 meses, ¿no? De preparación. Yo creo que este viaje fue un sueño muy lindo. Los sueños siempre a veces tienen complicaciones, ¿no? En este viaje tuve muchas complicaciones, pero la actitud del equipo que representa al Perú es un grupo de personas que lucha por un sueño. Creo que dio resultado para que hoy el profesor Agdón, en este caso el competidor Agdón, pueda tener la pieza aquí armada, ¿no? El pan para mí es un alimento universal que no tiene ni raza, ni colores, ni idiomas. Y gracias nuevamente a las personas que han hecho este concurso. Y lo esperamos a todos ustedes que vengan a Perú. Je voulais quelque part faire une tour Eiffel parce que c'est comme le monument emblématique de notre nation. Et puis je voulais lui donner un âme un petit peu de pièces artistiques prestige, tiens. Je dirais qui ressemble plus à une pièce pâtisserie qu'à une pièce boulangerie. Et oui, ça s'est très très bien déroulé. Puis toujours on fait aussi avec quelque part. On a eu des petites failles, on a eu le surgélateur qui nous a lâchés, et on s'adapte. Et puis de là après, on rend la copie. Mais non, ça s'est bien passé. Bon, nous il nous aurait fallu peut-être 10 minutes de plus. Et puis on sortait peut-être une copie. Je dirais avec la date et l'heure. Je ne sais pas quel ambassadeur qui m'a dit ça dans la journée. Il m'a dit vaut mieux faire moins mais bien.
D'année en année, on sent bien que le niveau il devient élevé. C'est vrai, il faut se remettre en question à chaque fois, à chaque concours. Moi, j'ai horreur de faire du copier-coller. Maintenant, il faut créer, il faut apporter un plus à cette profession. Et pour apporter, il faut travailler, c'est tout. Il faut un investissement personnel. Et puis de là, accrocher un jeune de façon à avoir un petit peu ce même savoir et puis cette même volonté d'apporter autre chose. Bah, Alexandre, il n'y a pas très très longtemps que je le connais. Alexandre, on a dû faire 2-3 entraînements et encore un petit peu brouillon parce que à la mise en place de certains produits, il a fallu le mettre au propre avant de le mettre en pratique. Mais il a très très bien géré la journée. Il a un petit peu peut-être relâché la dernière heure. Il s'est senti un peu paumé à un moment donné parce que plus on avance dans le temps, plus il faut quelque part être rapide dans les faits et gestes. On n'a plus un rôle de meneur d'homme, on a un rôle où c'est d'entreprendre. Et il est possible que le jeune, à un moment donné, déconnecte aussi. Et pourquoi ? C'est tout ça dû au timing qui est imposé.